À présent, l'information régionale. Obtenir de l'argent et savoir investir, c'est l'une des priorités de tout un chacun, notamment des jeunes. À Yamoussoukro a eu lieu une conférence sur le thème « Apprendre, comprendre et investir dans les crypto-monnaies ». Une conférence au cours de laquelle les conférenciers ont expliqué le rôle de la crypto-monnaie, les risques et comment l'obtenir. Charles Kouakou, dans un commentaire de Pierre Tebeu. C'est dans l'optique de vulgariser et d'adopter la crypto-monnaie en Afrique francophone qu'a eu lieu cette conférence sur le thème « Apprendre, comprendre et investir dans les crypto-monnaies ». L'objectif étant de former tout un chacun sur l'investissement et l'entrepreneuriat via la crypto-monnaie. Les formateurs ont pris le soin d'expliquer l'importance de la crypto-monnaie, une occasion qui a servi de cadre pour le lancement de la crypto-boutique, une plateforme de services crypto-monnaie. Là, nous sommes à Yamoussoukro pour une conférence sur la crypto-monnaie, la blockchain, pour montrer aux gens c'était quoi vraiment l'utilité de la blockchain. Donc, on a essayé tant bien que mal d'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi ses utilités. Et nous avons choisi la ville de Yamoussoukro parce qu'elle est souvent délaissée. Et cette technologie ne doit pas laisser une ville en arrière. Donc, nous avons décidé de venir à Yamoussoukro pour parler de crypto. Je suis très heureux d'être actuellement à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour parler encore plus des cryptos, des enjeux de ce marché et de comment est-ce qu'on peut se faire énormément d'argent. Cela également pour attirer l'attention du grand public et faire comprendre que c'est quelque chose de très bien, qu'il faudrait véritablement que beaucoup de personnes s'y intéressent pour que cela puisse avoir une émulation dans l'écosystème et favoriser véritablement une adoption massive. Ils étaient nombreux, entrepreneurs, étudiants et commerçants, à prendre part à cette conférence. Après le lancement dans la capitale politique, la conférence sur les crypto-monnaies va s'étendre sur d'autres villes de la Côte d'Ivoire.